Dans la web-série, maintenant, dont vous jouez le rôle d'un personnage qui a un peu de mal à prendre des décisions. Exactement. Il s'appelle Benoît. Il a 28 ans. Et c'est vrai que pour lui, chaque petite décision, le moindre truc, ça devient un enfer pour lui. Et dans le pilote qu'on a pu voir, ça se termine pas super bien parce qu'il essaie de se soigner. Il va faire une thérapie. Il rencontre une fille. Mm-hmm. Et puis, il finit par prendre une bonne décision de la suivre. Enfin, il y arrive. Il dit oui. Et puis, là, c'est l'accident, quoi. La fille traverse la rue et... Et elle se prend une voiture, ouais. Et elle, ça, on ne sait pas encore, tiens. Oh, on verra bien dans la suite ça, si est-elle morte ou est-elle juste très mal en point. On verra bien, ça. Le pilote se termine avec une giclée de sang dans votre visage. Donc, ça donne une idée que ça se passe moyen. Mais, il y a eu le pilote qui a été fait. Puis après ça, pendant environ 2 semaines, les gens ont pu voter. Exactement. Et vous avez plus de 23 000 interactions, vous, de gens qui ont dit qu'ils aimaient bien, qui ont partagé, etc., etc. Donc, pendant 2 semaines, votre vie, ça a été de pousser ça à tous vos potes sur Facebook. Exactement. J'ai eu 2 semaines de Facebook. C'était un enfer. C'était la guerre jusqu'au bout. Toutes les fois qu'on voyait un post de Mathieu Debatty, on se disait comme... Oh. Ah non, pas encore lui. ma gueule, je l'ai vu assez sur Facebook. Je crois que tout le monde me déteste maintenant. Et moi-même, j'ai même retiré les miroirs chez moi. J'en peux plus de ma figure. Et donc, vous avez gagné. Et c'est quand qu'on va pouvoir voir la suite donc, de la série? Ce sera au printemps. Au printemps, à partir d'avril, je pense. On va livrer ça tout ça fin mars. Et en avril, on pourra découvrir tout ça. Et entre maintenant et le printemps, qu'est-ce que vous faites? Vous festoyez comme des malades pendant... On a bien festoyé hier. Je ne vais pas te mentir. Je suis dans un état second là pour l'instant. Oui. Donc là maintenant on va bosser pendant un mois pour écrire tout ça, puis de la production et après on va tourner tout ça quoi. C'est vraiment bien ce qui arrive. Et en plus en parallèle de cette carrière-là, vous continuez sur scène. Vous avez un one man show qui s'appelle l'humoriste anonyme. Et c'était peut-être plus vrai à l'époque, ça va être de moins en moins vrai. Mais exactement, c'était maintenant il fallait que je l'appelle comme ça parce qu'après ça sera plus possible. Donc vous disiez qu'à l'époque vous envoyiez des messages et des gens vous répondaient pas. Ben oui, avant j'envoyais à tous les centres culturels et j'avais aucune réponse et maintenant les gens m'appellent pour acheter le spectacle donc ça se passe très bien. Est-ce que vous croyez que c'est possible pour vous de vous teindre les cheveux, vous raser la barbe, votre carrière est finie? Non, là, je pense que tous se concentrent sur ça. C'est grâce à ça que je travaille, donc... Vous êtes capillairement connu. Exactement. Et est-ce que vous pensez que vous allez prendre la grosse tête? Ben non, je pense pas. Il n'y a pas de raison. Est-ce que vous pensez que vous allez vous en profiter pour faire un casting? Dans chaque épisode, il va y avoir 6-7 top mannequins. J'espère bien, écoute. J'espère bien. On y travaille, là.